Bonjour, bienvenue sur la chaîne Torsade et Jacquard. Je vous propose dans ce tuto de réaliser ce très joli sac qui est réalisé à partir de granit. Ce sont des granits qui ressemblent à des fleurs. On part sur la base d'un rond et on termine en carré. Je l'ai fait avec un fil qui est relativement épais, avec un crochet numéro 6. Du coup, le sac, vous voyez, est assez grand. Du coup, on pourra y mettre plein de choses. Moi, je l'ai doublé. Ce qui permet de rajouter des petites poches, une fermeture éclair. Mais je vais surtout vous montrer comment réaliser ces granits. Alors, si vous utilisez un fil un petit peu plus fin, bah, il n'y a pas de souci. Vous pouvez suivre exactement le même tuto. Le sac sera un petit peu plus petit. Alors, pour réaliser ce carré, on va démarrer par le jaune. Donc, je prends mon fil jaune. Je démarre par un anneau magique. Si vous voulez... Vous repérez sur la vidéo que j'ai réalisée sur le cercle magique. Je vous mets le lien dans la description. Donc, un anneau magique. Moi, je fais un cercle. Hop, on ramène une maille. Donc, mon anneau est prêt. Et dans ce cercle magique, on va faire 12 brides. La première bride, elle est remplacée par 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et maintenant, je continue et je fais 11 brides. Dans le cercle. 2, 3. Donc prenez bien, il faut bien prendre tout le long les deux fils de votre anneau magique. Voilà, je peux refermer un petit peu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 et 12. Et pour fermer, donc j'ai mes 12 brides, je tire bien le fil de mon anneau magique pour fermer le centre et je vais aller faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Donc on est ici, hop. J'essaie d'attraper les deux brins, voilà, de façon à bien avoir la maille, la troisième maille en l'air du début, et je fais une maille coulée. Donc je glisse à travers ma maille et tout de suite dans la maille qui est sur le crochet. Voilà, donc j'ai fait la première partie, le centre jaune de mon carré, et donc, on va couper le fil. Voilà, vous coupez le fil pas trop long. Et ensuite, il suffit de tirer. Donc, j'ai mon centre, le cœur de mon carré. Je prends ensuite le fil gris. Hein, et je continue à faire un petit peu les pétales de la fleur. Alors, cette fois-ci... Pour redémarrer, je prends mon fil, je pique. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est là, on a la maille coulée. Moi, je vais aller piquer dans la première bride après la maille coulée. Je prends mon fil en double, je pose là une boucle sur mon crochet, je ramène et là, je fais une maille en l'air avec les deux fils. Mais juste pour la première, voilà, ce qui fait que j'ai le bout du fil gris qui est vers le bas et que je vais pouvoir cacher avec le jaune, comme ça vous n'aurez pas de fil à rentrer par la suite. Donc là j'ai fait une maille en l'air, je vais en faire une deuxième et une troisième, et là on va pas faire des brides mais on va faire des doubles brides. Donc au lieu de tourner le crochet une seule fois, je fais deux tours autour du crochet. Et là, je vais piquer au même endroit. C'est-à-dire qu'on va faire des paquets. On va faire des paquets de 3 doubles brides rattachées ensemble en haut. Alors, je pique dans le même trou. Je ramène une fois, deux fois. Et je garde la dernière étape. Je ne la fais pas puisqu'on s'en servira pour rassembler les 3 doubles brides.
Donc, je refais deux jetés. Je pique à la base. Je bloque, j'en serre en même temps les deux fils, le jaune et le gris. Je passe une fois, je passe deux fois. Et là, je ferme. C'est-à-dire que du coup, vous avez trois mailles sur le crochet et vous passez à travers les trois. Et là, je fais deux mailles en l'air. Une, deux. Et je retourne faire un paquet de trois brides assemblées dans la bride suivante. Donc, une, je fais deux jetés. Je pique dans la maille suivante. Je ramène. Je fais un jeté, je passe à travers deux mailles, un jeté à travers deux mailles. Et je fais la deuxième. Deux jetés, je repique dans la même maille. Un jeté à travers deux, un jeté à travers deux. Là, je m'arrête et je fais la troisième demi-bride. Donc, deux jetés, toujours dans le même trou. À travers deux, à travers deux. Et je passe à travers les quatre mailles qu'il y a sur le crochet. Et je continue. Une, deux mailles en l'air. Et je recommence. Dans la maille suivante, donc la bride suivante. Donc on avait 12 brides. On va faire 12 paquets de 3 doubles brides. Et c'est ce qui va former notre... Il ne me reste plus qu'une affaire, je vais vérifier. Donc il me faut 12 paquets, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est bien, il ne me reste plus que le dernier paquet de 3 doubles brides dans la dernière maille. Voilà, et reste, il ne faut pas oublier à la fin les deux mailles en l'air avant de se raccrocher au premier paquet. Donc là, c'est simple, il suffit de piquer dans le haut de notre paquet de trois brides. Et du coup, je pique ici. Donc, vous voyez, je suis là, dans la maille qui rassemblait les trois. Et je fais une maille coulée. Voilà, le tour est terminé, le deuxième tour est terminé. Je peux couper mon fil gris en laissant un petit peu de longueur. Et il suffit, hop, de tirer le fil. Voilà. Alors, maintenant, on part d'un rond et on va transformer ce rond en carré. Donc, voilà comment on va faire. Donc, je prends mon fil bleu. Je vous parle rapidement de ce fil que j'utilise. Malheureusement, il n'existe plus. Mais c'était un gros fil de coton qui s'appelait Grande. Grande de chez Langarn. Et c'est vraiment, ça fait comme une grosse chenille. Du coup, j'ai un crochet numéro 6. Mais il suffit en fait de prendre le crochet adapté au fil que vous allez utiliser. Donc c'est mieux pour ce que l'on fait d'avoir un gros coton.
Alors, pour faire transformer notre carré en rond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans les arceaux uniquement. Donc, le plus simple, ça va être de commencer avant dans cet arceau-là, c'est-à-dire l'arceau juste avant d'avoir terminé le tour précédent. Comme tout à l'heure, je fais une boucle sur le crochet. Je ressors la boucle, je laisse un petit peu, donc j'ai mes deux fils, je laisse un petit peu de longueur. Et là, je fais une maille en prenant les deux fils. Je lâche le début de la pelote et je fais une deuxième maille en l'air avec le fil simple. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire, en fait, ces deux mailles en l'air, elles vont remplacer une demi-bride. Donc, je fais une demi-bride, deuxième demi-bride dans l'arceau. Donc, je fais un jeté, je pique, je ramène, je refais un jeté et je passe à travers les trois d'un seul coup. Et je fais une troisième demi-bride. Voilà. Ensuite, on va maintenant faire un angle. Donc, pour faire un angle, on va faire des paquets. On va faire deux paquets de trois brides. Donc, on va faire deux paquets de trois brides séparés par deux mailles en l'air. Donc là, on avait fait des demi-brides. Maintenant, je vais faire des brides. Et toujours pareil, j'emmène mes deux fils à cacher. Comme ça, ça vous évite de rentrer les fils après. Donc, une bride, une sans faire de maille en l'air entre le avec mon paquet précédent, 2 et 3. Là, je fais deux mailles en l'air, 1, 2, ça me fait mon premier angle, et toujours dans le même arceau, je fais à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, on a déjà un premier rang qui se forme tout seul. Donc là, on va être sur un côté. Donc dans l'arceau suivant, on va faire trois demi-brides. Donc la demi-bride, comme tout à l'heure. Un jeté, je démarre comme si je faisais une bride et je passe dans les trois mailles d'un seul coup. Une, toujours dans le même arceau. Deux et une troisième. Et dans l'arceau suivant, sans faire de mailles en l'air, je fais tout de suite à nouveau un paquet de trois demi-brides. Une, deux, donc j'ai bien mon angle, deux paquets de trois demi-brides et je vais à nouveau faire un nouvel angle. Donc pour faire les angles, j'emmène encore, il me reste encore le fil gris, je peux l'emmener encore une fois. Donc pour faire les angles, je fais deux paquets de trois brides, donc une, donc là on fait vraiment des brides. 2, 3 brides, je fais deux mailles en l'air et à nouveau dans le même arceau, je fais à nouveau 3 brides. 1, 2, 3 brides. Cette fois-ci, on a fait le deuxième angle. Donc là, le fil gris, je peux le couper. Hop. Et là, on est sur un côté. Donc, on refait cette fois-ci 3 demi-brides. Donc, directement, sans faire de maille en l'air. Donc, 1, 2, 3. À nouveau, dans l'arceau suivant, 3 demi-brides, 1, 2, 3, et là je vais faire mon troisième angle, et comme tout à l'heure, pour faire les angles, on fait deux paquets de 3 brides,
Une, deux, trois, deux mailles en l'air. Et à nouveau, trois brides dans le même arceau. Un, deux, trois. Donc là, j'ai mon troisième angle. Donc c'est simple, vous avez un angle et deux paquets de trois demi-brides. Un angle, deux paquets de trois demi-brides. Je fais un, deux, le troisième côté. Donc trois demi-brides. Une, deux, trois. Et dans la suivante, dans l'arceau suivant. 3 demi-brides, 1, 2, 3, et il ne manque plus que le quatrième angle, donc à nouveau 3 brides, 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans le même arceau. Et donc là j'ai bien mes quatre angles, il me reste plus qu'à finir le côté, donc il me reste plus qu'à faire trois demi-brides, deux et trois, et pour fermer je fais une maille coulée dans la deuxième maille en l'air qu'on avait fait au départ. Alors, si vous pouvez attraper les deux brins, c'est mieux. Hop. Voilà. Et là, j'ai fait une maille coulée. Voilà. Ensuite, il nous reste à faire. Donc là, on est parti d'un cercle et on a bien obtenu un carré. Donc, c'est important de bien faire vos angles pour que la forme se construise toute seule. Et il nous reste plus qu'à faire le dernier tour. Donc pour faire le dernier tour, ce que je vais faire, c'est qu'on va se déplacer pour aller dans l'arceau qui est, l'objectif c'est d'aller dans l'arceau qui est juste avant l'angle suivant. Donc je vais faire des mailles coulées. Donc je fais une maille coulée, une deuxième et une dans l'arceau. Et là, on va faire que des brides maintenant pour finir le, parce que tout est à la même hauteur, donc on va faire que des brides. Donc, pour faire ma première bride ici, je fais trois mailles en l'air, deux, trois, et il ne me reste plus qu'à faire deux autres brides, parce qu'on va faire que des paquets de trois brides, deux, trois. Donc là, j'arrive dans l'angle, donc dans l'angle, c'est toujours la même chose. Je fais deux paquets de trois brides. Deux, trois. Et je sépare mes deux paquets par deux mailles en l'air. Une, deux pour garder la pointe de l'angle. Et je refais dans le même arceau trois brides. Un, ça fait deux et trois. Et ensuite, je fais tout le tour de mon carré comme ça, en crochetant dans les arceaux et en faisant des paquets de trois brides.
Voilà, et on termine en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du départ. Hop. Voilà. Et à nouveau, je vais couper le fil. Et il suffit de tirer. Voilà. Et ensuite, ben, il ne restera plus qu'une fois que vous avez fait vos 13 carrés identiques, et ben, on passera à l'assemblage. Alors, une fois que les 13 granits sont terminés, voici comment vous allez devoir les positionner. Et vous verrez ensuite, on a le milieu du sac, ça c'est le devant, et certains, les carrés qui sont sur les côtés et ceux du bas vont se replier. Et c'est comme ça qu'on va obtenir notre sac. Donc maintenant, il va falloir les assembler. Et pour les assembler, on va faire en sorte d'avoir le moins de changements de fil possible. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la pointe, ici. On va descendre comme ça en zigzag jusqu'en bas. On va assembler cela, ça, ça, ça. Ensuite, on va remonter. Pareil, dans le même sens. Hop, hop, jusqu'à arriver à nouveau à la pointe. Comme ça, avec un seul fil, on aura déjà pratiquement fait les trois quarts de notre assemblage. Il ne restera plus ensuite qu'à faire ça et ceux du côté. Donc, je vais vous montrer maintenant comment faire cet assemblage des granits. Alors, pour assembler les granits, on va les positionner endroit contre endroit. Donc, pour reconnaître l'endroit, c'est la partie la plus lisse. Vous voyez, les brides, elles sont bien, bien lisses sur l'endroit. Et sur l'envers, elles sont un petit peu plus, ça fait un petit peu plus de grains. Donc, et puis, en principe, vous devriez avoir sur l'envers le fil du nœud magique. Donc, je commence sur la première maille, enfin, sur la maille en l'air qui démarre le côté, qui était dans l'angle. Je prends le brin extérieur de granit qui est devant moi et le brin extérieur du granit qui est derrière. Et on va tout simplement faire des mailles coulées. Donc, on prend le fil bleu, enfin, le fil de la couleur extérieure. Je ramène une boucle. Et je continue avec mon fil tout simple. Donc, je pique dans... Alors, il ne faut pas prendre les deux, sinon ça ne sera pas joli sur l'endroit. Mais je prends bien juste un seul brin, le brin qui est vers moi. Et de l'autre côté, je prends le brin extérieur. Et je fais une maille coulée. Et on continue comme ça. Donc, vous voyez, là, on voit bien la maille. Je prends bien, je laisse celui-là à l'intérieur et je prends celui qui est à l'extérieur. Voilà. Hop. Voilà, et comme les carrés sont exactement tous les mêmes, normalement, on va bien se retrouver pour le dernier sur, de chaque côté, la première maille en l'air de l'arceau, et c'est bien ce que j'ai. Donc, je fais la dernière. Hop. Voilà, j'ai assemblé mes deux premiers carrés. Et vous voyez ce que ça donne à l'endroit. Voilà, on a quelque chose de bien net. C'est pas la peine de trop serrer, sinon vous allez resserrer le granit. Et là, on aura un bel angle. Donc, il suffit de continuer sur le schéma qu'on a défini tout à l'heure. Donc là, je vais repartir. Alors, c'est vrai que vous pouvez, à chaque fois, si vous avez peur de vous perdre dans le sens, vous pouvez repositionner vos 13 granits pour voir de quel côté vous devez partir. Donc, moi, c'est ce que je vais faire pour ne pas me perdre. Donc là, j'ai repositionné les deux carrés que je viens d'assembler. Donc, j'ai bien la pointe, le haut du sac ici. J'ai fait ça. Je vais redescendre là maintenant. Donc, je suis repartie. Je les mets endroit contre endroit. Et j'assemble les deux nouveaux. De la même façon. Donc là, pour avoir un joli angle. Donc là, je vais assembler ces deux-là. Je suis bien endroit contre endroit, c'est parfait. Donc là, je prends la deuxième maille en l'air du cerceau avec la deuxième. Voilà, et je serre un petit peu juste pour qu'on ait des angles bien
qui se tiennent bien et on est reparti sur cette longueur là. Voilà, donc vous faites tout le tour comme je viens de vous montrer, en suivant le sens, de façon à ne pas avoir à chaque fois à couper le fil et à faire un maximum, à assembler un maximum de carrés en une seule avec un seul fil. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Hop. Vous voyez, comme ça on a un joli ça nous fait vraiment un joli angle. Et quand vous aurez assemblé avec le quatrième, on aura vraiment un angle parfait. Donc je vous retrouve une fois qu'on a fait la première série d'assemblage avant de replier le sac pour le fermer. Voilà, donc une fois qu'on a fait l'assemblage en suivant la ligne que je vous ai indiquée, donc en partant du haut, en descendant et en remontant, il vous reste deux carrés. Et ce qui reste plus qu'à faire, c'est vous allez plier, vous prenez le carré du milieu, vous pliez en deux. Comme ça, et du coup il vous reste deux carrés de granit à assembler. Ces granits vont être assemblés en les pliant en deux, et vous allez donc assembler ici. On est encore ouvert, vous allez commencer par ici, vous allez assembler cette partie là avant, et ensuite vous allez repasser de l'autre côté pour finir le dernier carré. Et pareil de ce côté là on va fermer le fond du sac, on va rajouter un demi les deux côtés de ce granit sur l'avant et les deux autres côtés. Donc vous allez plier là et les deux autres côtés vous allez les assembler avec l'arrière, et comme ça vous avez terminé l'assemblage de vos 13 granits et vous avez l'ouverture du sac par le haut. Donc je vous retrouve une fois que ces deux derniers carrés sont assemblés et que le sac est donc fermé. Il ne restera plus ensuite qu'à faire la anse. Voilà, l'assemblage des 13 granits est donc maintenant terminé. Donc vous avez vu la dernière étape, on a fait ce sur le côté, c'est-à-dire qu'on a fermé là. Et après on a fait tout le tour comme ça de ce carré qui se plie en deux. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est nous préparer pour faire les anses. Donc, ce que l'on va faire, on va faire d'abord un premier tour en maille serrée sur le haut du sac. Et on va démarrer par un côté, par un angle. Alors, je vais piquer. Je vais commencer par un angle. Voilà, je me faufile dans la première maille. Et on va faire un tour, tout simplement, en maille serrée. Donc le premier, je fais une maille en l'air en prenant mes deux fils, je laisse un petit bout et ensuite je continue donc tout le tour en maille serrée. Donc dans l'arceau, je pique dans l'arceau, hop. Je pique dans l'arceau, en fait je rajoute une maille pour faire l'angle, donc ça m'en fait, en fait dans l'angle vous aviez, vous souvenez, dans les angles on avait deux mailles en l'air, donc là je vais faire trois mailles serrées dans l'arceau pour pouvoir faire le virage. Voilà, et ensuite j'attaque, je continue de l'autre côté. Hop. Donc une en fait, on n'a que des brides hein, sur les côtés. Donc, je fais une maille serrée dans chaque bride. Et vous voyez, le fait d'avoir rajouté une maille serrée, ça me fait l'angle, ça continue à former la pointe sans trop l'écraser. Voilà. Donc, je fais le tour comme ça. Voilà, j'ai terminé le tour. J'ai fait une maille serrée dans l'angle départ et la maille coulée pour terminer dans la première maille serrée que j'avais fait. Et maintenant ce que l'on va faire, donc vous voyez, ça permet de faire un tour. Si vous voulez faire un deuxième tour pour avoir une bordure plus épaisse, vous pouvez. Là moi j'ai un fil qui est assez gros, donc ça suffit. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les anses. Donc on va démarrer en maille serrée. Là on va faire une ici,
On va faire une maille chaînette qui va servir de anse. On va faire le tour de l'autre côté. On va à nouveau faire une anse. Donc ici, on n'aura plus, on va plus rien rajouter. Donc, on repart. Donc, vous pouvez le faire en colimaçon. Moi, je vais le faire en montant. Je trouve que ça sera plus... Donc, je fais une maille en l'air et je repars en maille serrée jusqu'à la pointe. Et ensuite, on va faire une maille serrée, qui une maille chaînette qui va correspondre à la longueur de votre anse. Donc, c'est à vous de voir ce que vous avez envie d'avoir, si vous voulez quelque chose à mettre en bandoulière ou juste à porter à la main. Donc, je vais jusqu'à la pointe, puisque dans l'angle, on avait fait trois mailles en l'air. On va s'arrêter sur la maille qui est en pointe, la deuxième. Voilà, là, je suis sur la maille qui fait la pointe. Et là, je ne vais pas redescendre, mais je vais faire une maille chaînette. Anse, que vous avez géré la hauteur que vous voulez pour votre anse. Je vais en rajouter encore un petit peu. Sachant qu'avec le poids, ça va se détendre. Et bien, du coup, on va aller directement sur la pointe en face et on réattaque en maille serrée. Donc, je pique bien sur celle du milieu. Voilà. Et on repart en maille serrée. En faisant tout le tour. Voilà, donc je vais faire tout le tour là. Je refais la même chose, ma même anse sur l'ouverture de l'autre côté. Et je vais redémarrer. Et ensuite, il suffira de faire, plus en fonction de l'épaisseur de la anse que vous voulez avoir, vous allez faire 2, 3 ou 4 tours en maille serrée. Voilà, donc j'ai terminé les anses du sac. Finalement, j'ai fait donc la maille chaînette et j'ai rajouté 2 tours de maille serrée. Si vous voulez des anses un petit peu plus larges, il vous suffit de faire un tour supplémentaire en maille serrée. Voilà, et puis ensuite, ce qui est mieux, comme c'est des granits, c'est un petit peu ouvert, ce qui est bien, c'est de le doubler. Donc moi, j'ai le double avec quelque chose d'uni, puisque c'est déjà un petit peu bariolé sur l'extérieur. Donc tout simplement, comme le tuto, du coup, vous pourrez, ce modèle de sac, vous pourrez le faire avec n'importe quel coton, ce qui fait que vous n'aurez pas forcément les mêmes dimensions. Donc moi, ce que je fais tout simplement, c'est que mon sac, je le mets à plat sur ma doublure en deux épaisseurs, et puis je dessine le tour de façon à avoir un tout petit peu de marge et de la couture. Donc tout simplement, je dessine à peu près le contour de mon sac. Voilà, après je plie mon tissu en deux pour avoir quelque chose de symétrique. Ma pointe, elle est là. Voilà, donc, de toute façon, on n'est pas à 1 mm près. Ensuite, l'important, c'est d'avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Et puis, il vous suffit de coudre endroit sur endroit. Si vous voulez rajouter des poches, vous rajoutez des poches. Votre sac est prêt. Vous n'avez plus qu'à le coudre. Moi, je vais le coudre à la main à l'intérieur. Voilà, j'ai découpé tout le tour. Il suffit maintenant de mettre vos deux parties endroit contre endroit, de faire une piqûre du coup tout le tour, et ensuite on enfilera la doublure à l'intérieur du sac et il ne restera plus qu'à